Oui, je suis arrivé, comment ça s'appelle, 5-10 minutes après le commencement du braquage, entre guillemets. Donc ils ont mis la voiture, ils ont bloqué le fourgon avec un véhicule, ils sont sortis à 3 ou 4 du véhicule et ils ont fait leurs affaires, quoi. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a entendu comme une sorte de coup de feu, mais je ne pense pas que ce soit un coup de feu. J'avais plutôt l'impression que c'était un tir de canaille pour embraser le véhicule, qu'ils avaient imbibé d'essence. Et ensuite, ils sont partis par les deux rues adjacentes qui longent la Société Générale. Peur, non, pas spécialement. Ils avaient l'air calmes, assez sur deux. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. Donc peur, non, pas du tout, non. Les gens qui ont vu un peu tout ce qui s'est passé, qui ont regardé la scène, ne se sont pas sentis en danger aucunement. Non, je pense pas, non.